C'est avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin, l'ombre de la chanteuse Barbara qui va planer sur la croisette, le début de la compétition officielle, on entendra Will Smith, membre du jury, et puis les indiscrétions, Arnold Schwarzenegger débarque. Dites-le-moi du bout des lèvres. Le fantôme de Barbara va donc hanter la croisette ce soir. Eh oui, pour l'ouverture de la sélection Un Certain Regard. Alors ce film Barbara est signé Mathieu Amalric et il raconte en fait l'histoire d'un cinéaste qui réalise un film retraçant la vie de la chanteuse. Je n'ai jamais vu Barbara en concert. Jamais j'aurais imaginé faire un biopic. Et je me suis dit que d'avoir une collusion entre deux genres de cinéma, le film dans le film, et le biopic, ça m'a permis d'être vraiment dans un dispositif amoureux. Voilà, et Barbara est jouée par Jeanne Balibar. Le film sortira dans les salles en septembre. Alors on sait qu'à la fin, c'est Rodin qui sera palme d'or de ce Festival de Cannes, mais la compétition officielle, elle débute aujourd'hui. Hein. Et oui, après l'ouverture hier soir, proclamée par Asghar Farhadi et Lily Rose Depp. Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Bravo. Début donc de la compétition avec la présentation aujourd'hui des films de l'américain Todane, c'est du russe Andrei Zviagintsev. Et cette année, il y a un thème qui domine cette année, c'est celui des migrants, explique Thierry Frémaux, délégué général du festival. Lorsque le festival évoque un certain nombre de sujets, c'est parce que ce sont des sujets qui courent le monde. Et en effet, la question des réfugiés est assez présente dans les films que nous avons. Et je crois que ça sera un beau voyage. Voilà, on attend notamment sur ce thème le nouveau film de Michael Haneke. Et bien attendant, on peut regarder l'ancien film avec Vincent Lindon, Welcome, qui était magnifique hein, sur les migrants. Vincent Lindon qui est avec nous jusqu'à 9h et même jusqu'à ce soir 20h sur Europe 1. Oui. Vous confirmez? Oui, c'est je confirme. C'est bien que vous faites des réponses courtes comme ça. Bon, alors le jury, Mathieu, se met donc au travail. Oui, jury présidé par Pedro Almodovar et composé notamment de Will Smith. Mon agent m'a appelé pour me dire « tu vas faire partie du prochain jury à Cannes ». J'ai dit « yes ». Et puis elle m'a dit « ça dure 15 jours ». Alors là, j'ai répondu « wow ». Et puis elle a précisé « tu dois voir 2 ou 3 films par jour ». Ok. Je pense que j'ai pas tenu ce rythme depuis que j'avais 13-14 ans, mais je vais donner le meilleur. Voilà, Will Smith qui a par ailleurs promis qu'il se coucherait tôt pour être en forme à la projection de 8h30 chaque matin, évidemment, on va le surveiller. Il est obligé de voir 3 films par jour, il n'a qu'à voir Rodin et Barbara, et voilà. Ça suffit. Voilà, mais voilà qui est c'est clair. Plus simple. Mais voilà. On termine avec vos indiscrétions, Mathieu. Le remake américain d'Intouchable est à vendre ici au marché du film. C'est Kevin Hart qui joue le rôle d'Omar Sy, Bryan Cranston celui de François Cluzet, et Nicole Kidman endosse le costume d'Audrey Fleurot. Et puis, Arnold Schwarzenegger sera à Cannes ce week-end, accompagné, figurez-vous, de Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant, oui. En fait, Schwarzy fait la voix off et produit un documentaire sur les fonds marins, réalisé par Jean-Michel Cousteau. Ils viennent en faire la promotion. Voilà, et l'autre indiscrétion, c'est que Vincent Lindon a raté son réveil, mais qui est quand même arrivé à temps ce matin sur Europe 1. Ah, vous le redites en plus. Ouais, bah on vous balance, nous, on est comme ah oui, ça. Donc moi j'ai la gentillesse et l'honnêteté d'avouer que je de faire une anecdote le matin. On met la deuxième lame. Et ça va être toutes les heures, comme ça. Comme ça, jusqu'à ce soir 20h. Okay. Journal... Je vais arriver en retard à toutes les émissions. Le journal de Cannes, c'est tous les matins à 8h40. À demain matin.